Au jour d'aujourd'hui, le Burkina compte cette université publique pleine, dont Saint-Thomas Sankara, et sept centres universitaires dans toutes les régions du Burkina. Il n'y a pas une seule région qui n'ait pas son centre universitaire. Si on veut éduquer les enfants du peuple, il faut qu'on se donne les instruments qui vont nous permettre de faire cette éducation des enfants du peuple. Et c'est ça les centres universitaires, quelquefois créés sans infrastructure. Mais les étudiants y sont, parce qu'une université, ce n'est pas seulement l'espace physique. Une université, c'est des enseignants qualifiés. Une université, c'est du personnel à tous consciencieux. Une université, ce sont des étudiants assoiffés de savoir. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'un centre universitaire comme celui de Banfora a déjà rattrapé certaines universités du Burkina. Parce qu'ils ont déjà plus de milliers, ils sont presque à 2000 étudiants déjà. Le défi, ce sont les infrastructures. Mais ce défi des infrastructures a trouvé la solution à travers la volonté du président de Faso. C'est d'avoir mobilisé les bailleurs de fonds. Parce qu'avant cela, il n'y avait pas de bailleurs de fonds pour investir dans l'enseignement supérieur. Et nous avons lancé la construction au niveau de Norbert Zongo, Dieu voulant, en 2021, on doit pouvoir inaugurer les investissements de Norbert Zongo. J'ai le bonheur de vous dire que la BADEA a déjà validé le financement pour l'université de Dori et pour la cité universitaire de Fatangourouma. 45 millions de dollars pour qu'on ait ce genre d'investissement pour Dori et qu'on ait une cité de 1000 lits et une cité de 1000 lits pour l'université de Fatangourouma. Des instructions ont été données pour que les infrastructures de Waïguya, de Dédougou et de Kaya soient inscrites au portefeuille de la BID. Et Minefid est prêt à nous accompagner pour que ce soit une réalité, pour vous dire que les infrastructures vont suivre, forcément. Et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a instruit de travailler avec la CGCI afin que, dans le cadre du 11 décembre, l'université de Banfora soit construite, qu'on puisse donc acquérir des villas servant de cité universitaire pour Gawa, pour Manga, et qu'on engage des discussions pour l'université de Zignaré dans le cadre donc du prochain 11 décembre.